C'est sûr, vous ne resterez pas de glace devant les nouvelles statues présentes place de la République à Metz. Jusqu'au 7 janvier 2018, la fantaisie et les super-héros seront à l'honneur. En avant-première, découvrez ce monde givré qui risque bien de vous faire fondre. L'année dernière, on avait des grands bâtiments, un château, on pouvait monter dessus, descendre, marcher en dessous. Cette année, on s'est dit on va complètement changer de nouveau. Alors c'est plutôt pas petit, c'est toujours grand, mais c'est plus des scènes. On a plus de décorations sur les murs, il n'y a pas le grand château. Il y a bien sûr la glissade pour les enfants, grands et petits, parce que les adultes peuvent y aller aussi, il n'y a pas de souci. On a encore le bar, on peut prendre des photos. Il y a un peu l'atmosphère plus Noël cette année. Alors oui, on change chaque année. Chaque année, c'est des grands blocs qui arrivent et on taille des choses fantastiques dedans. Ilia vient de Russie. Sculpteur, il explique comment il travaille la glace. Ice is a very interesting material. It's invisible material. Alors la glace est une matière très intéressante puisqu'en fait c'est translucide, on voit à travers, alors c'est très important de faire la silhouette de la figure au début parce que c'est surtout ça qu'on va voir et après faire les détails. Oh, le thème c'est tout ce qui fait rêver grand et petit, c'est un peu notre fantaisie qui est là, des super-héros, des animaux, un peu de tout, mais les sculpteurs, c'est eux qui choisissent aussi leur thème un peu. Alors c'est eux qui choisissent les statues, ce qu'ils veulent faire exactement, l'atmosphère autour de la petite scène. This is the special tools and most of them we do it. Alors il y a des différentes sortes de matériaux qu'ils utilisent. Malheureusement, c'est très très spécifique pour la glace, alors beaucoup d'entre eux font leurs équipements eux-mêmes. Il y a une matière, l'acier, mais il y a un acier spécial qui est un peu plus dur qu'ils utilisent pour faire leurs outils. Et aussi des tronçonneuses qu'ils utilisent pour tailler la glace. La glace, bah oui, c'est quelque chose de différent. C'est pour ça aussi que les artistes ils viennent un peu de partout au monde, mais surtout des pays froids, parce que c'est eux qui ont l'habitude d'être en contact avec de la glace. C'est la même façon que de tailler par exemple le bois ou la pierre, faire des sculptures en général, c'est tous des artistes. Mais pour la glace, c'est un matériel qui est très très fort, puisqu'on peut faire des châteaux comme on a fait l'année dernière, mais par contre super fragile en même temps. Alors pour poser un bloc, il y a des blocs qui pèsent 2 tonnes. Il faut vraiment être très secure, très doux pour les mettre, parce que si on le met un petit peu trop sur un coin, ça se casse complètement. Alors c'est très spécifique le travail qu'ils font. Toutes ces créations de glace réchauffent aussi l'esprit et le cœur de ceux qui les regardent. As always the artists when they trying to bring own emotion and they put in the sculpture and when the people alors c'est important pour l'artiste de mettre tout son cœur, toutes les émotions qu'il a en soi, de le mettre dans sa sculpture, et quand cette émotion ou une autre émotion est transférée de la sculpture à la personne qui la regarde, pour eux c'est pour ça qu'ils font leur sculpture en fait, pour avoir cette émotion sur le visage d'un enfant ou de leur public.